Condé a été publié il y a lundi 12 avril 2021, environ deux mois après la nomination du Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé Kyenge, comme l'avait promis le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un gouvernement réduit à 56 membres. La particularité de ce gouvernement est la représentativité des femmes qui a été revue à la hausse. À noter que sur les 65 membres du gouvernement Inou Kamba, 9 seulement ont été reconduits. Suivez. Le ciel s'est soudainement obscurci ce lundi après-midi sur Kinshasa, alors que le Congo tout entier attendait impatiemment la sortie du gouvernement de l'Union sacrée. Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, qui s'est présenté à la cité de l'Union africaine muni de sa farde chemise, a présenté au chef de l'État une mouture du gouvernement que le président de la République a consultée et actée. Quelques signatures, et c'est sous une pluie battante que le porte-parole du président de la République a rendu publique la composition du premier gouvernement Samalou Kondé. Composé de 56 membres, dont 4 vice-premiers, 9 ministres d'État, 31 ministres, un ministre délégué et 11 vice-ministres, la nouvelle équipe gouvernementale compte 15 femmes et des portefeuilles qui s'adaptent aux problèmes sociaux de la population. Au ministère de Petites et Moyennes Entreprises, une brèche entrepreneuriat a été ouverte pour stimuler encore plus les investissements locaux. À la santé publique, on parlera aussi d'hygiène et prévention au premier plan. La crise de la Covid a été prise en compte. Le ministère de Transport et Voies de Communication s'occupera aussi du désenclavement qui freine l'élan du développement des contrées. Le ministère de la Culture et Arts lui prendra désormais en compte la protection de patrimoine en soutien à la vision culturaliste du chef de l'État, président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que la culture soit utilisée comme vecteur de valeurs positives. Ce gouvernement, qui se veut inclusif avec la participation de toutes les tendances politiques, a innové avec la création d'un nouveau portefeuille sur le numérique. 10 membres du gouvernement ont été reconduits pour retrouver leur portefeuille. Juste après la lecture des ordonnances, le soleil a refait surface comme un symbole de la renaissance des espoirs de tout un peuple placé sur le nouveau gouvernement. Toujours dans ces chapitres, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est réjoui du nombre de son gouvernement, soit 27%, publié hier lundi 12 avril. Il invite les femmes à démontrer à la face du monde leurs capacités et compétences. Il a souligné que l'opportunité pour elles de convaincre afin de pousser les autorités compétentes à améliorer leur représentativité dans du combat pour la patrie. Suivez. Bon, mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. J'ai remarqué au nombre de micros que j'ai devant moi et au nombre de caméras que ça témoigne de l'attente et de l'impatience qu'il y a eu par rapport à la sortie du gouvernement. Et pendant ce temps, je ne me suis pas beaucoup exprimé. Et donc, j'ai jugé bon qu'à la sortie du gouvernement, nous ayons un moment d'échange, de partage, pour pouvoir peut-être apporter certaines réponses, mais surtout pour marquer le temps sur la sortie du gouvernement et la suite à venir. Alors, j'ai prévu un mot introductif qui devrait reprendre les grandes lignes qui ont mené à la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation depuis ma nomination le 15 février 2021. Et donc si on fait le compte, aujourd'hui le 12, cela nous aura pris 57 jours. Et je suis dans un sentiment de satisfaction du fait que nous soyons arrivés à la publication de ce gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Je crois qu'il vous souviendra que après ma nomination, j'avais amorcé des échanges avec
les différents regroupements et partis politiques, d'abord qui ont une représentation au sein du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, mais que par la suite nous avions élargi ces échanges aux personnalités politiques, à la société civile, aux associations et syndicats de la société civile, pour avoir aussi leurs avis quant à l'enrichissement du programme du gouvernement que nous allons devoir désormais présenter à la représentation nationale. Et à la suite de ces échanges, pour les regroupements partis politiques, particulièrement ceux qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale, nous avions défini un critérium qui allait d'un nombre minimal de députés qu'il fallait avoir pour prétendre à un poste au niveau du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et nous avions aussi donné un critérium sur les personnes, c'est-à-dire en termes d'intégrité, de moralité, et de nous assurer que ces personnes devaient avoir un casier judiciaire vierge. Mais nous avions aussi mentionné que nous devions avoir un gouvernement qui tienne compte de l'inclusivité de toutes les forces présentes au sein de l'Union sacrée de la nation, et aussi au-delà de cette inclusivité, que nous puissions avoir une certaine solidarité au niveau des forces politiques. Et donc vous comprenez bien que c'était un exercice assez complexe à mener à partir de ce moment jusqu'à ce jour. Une fois que nous avions bouclé ces échanges avec toutes ces forces... Toujours dans le même ordre d'idées, après la publication du nouveau gouvernement, François Robota, ministre d'État et ministre en charge du développement rural, réaffirme son engagement à travailler pour le bien-être de la population, tout en remerciant le chef de l'État ainsi que le Premier ministre pour le choix porté sur lui. François Robota estime que le choix porté sur lui, François Robota estime que le moment est venu pour que pour mettre fin à la triste réalité quotidienne vécue en République démocratique du Congo, à savoir celle d'avoir un pays riche, mais avec une population extrêmement pauvre. Toujours dans ces chapitres, la CAJ félicite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, mais reste préoccupé de certains ministres après la publication du gouvernement Samalou Kondé hier 12 avril. La CAJ salue la nomination de cette action tant attendu par la population. La CAJ salue la nomination du nouveau gouvernement et félicite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Quittant la présidence, direction de l'Assemblée nationale, où 48 heures après sa présentation du rapport général de l'élection de 2018, le président de l'Assemblée, le président par contre de la CENI, Corneille Nangaa, était à l'Assemblée nationale ce mardi 13 avril pour répondre aux préoccupations des élus nationaux. Suivez. Ce n'est pas un exercice difficile, c'est un exercice légal. Est-ce qu'on sort la tête haute ou comment? Ça, ce n'est pas la question ici. Nous nous sommes apprêtés à cet exercice conformément à la loi. Nous avons clôturé un processus électoral. Il a fallu qu'un rapport IAFERA soit présenté à la représentation nationale. C'est ce que nous avons fait. La première chose, nous voudrions remercier les députés nationaux et son bureau, particulièrement le président de l'Assemblée nationale, pour nous avoir accepté de nous pour nous avoir invités à s'apprêter à cet exercice. En même temps, nous remercions les députés pour la pertinence des avis, des conseils et des questions, surtout qui ont été soulevées pendant ces débats. La CENI, en tant qu'organe technique, dont la mission est la conduite de tout processus électoral et référendaire,
a apporté plus ou moins l'éclairage sur la question. Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que mes collègues et moi, nous voyons que les rappels des rapports ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Le plus important est qu'un cycle électoral s'est clôturé, un nouveau cycle a commencé. Et nous sommes justement à cette phase. Ce nouveau cycle a commencé, doit commencer avec des réformes. La CENI est disponible, elle reste disponible, conformément à la loi organique, à apporter ses éclairages techniques pour appuyer les députés nationaux et les sénateurs qui vont devoir entrer dans les débats des années. Changeant de chapitre, conformément aux dispositions de la Convention portant création de la plateforme La Mouka du 27 avril 2019, telle que modifiée et complétée à ce jour et suite à la convocation de la réunion du Présidium. Ce dernier s'est réuni le 9 au 10 avril 2021 sous la direction du coordonnateur. Le Présidium saisit cette occasion pour réaffirmer haut et fort l'objectif fondamental et les axes principaux autour desquels les membres fondateurs se sont réunis dans le cadre de la MOUKA telle que mentionnée dans la Convention du 27 avril 2019 et repris dans leur déclaration du 30 juillet 2019 à Lubumbashi. Quittons la MOUKA pour parler de la mission onusienne où la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, est arrivée ce mardi 13 avril à Lubumbashi. Dans le Haut-Katanga, Bintou Keïta est arrivée pour sa première fois sur le sol lushua, va rencontrer les autorités de la province dont le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La situation se calme après 9 jours de manifestations populaires. Un calme apparent est observé ce mardi 13 avril dans la ville de Beni en ce 9e jour de 10 sans activités décrétées par les groupes armés de pression de certains mouvements citoyens. Ces manifestants étaient organisés pour demander le retour de la paix et le départ des organisations internationales dont la MONUSCO. Au total, 7 personnes ont été tuées, 22 blessées et plusieurs incendies criminels de maisons lors de violences, des affrontements entre deux jeunes des différentes communautés qui se sont observés ces dernières heures dans l'entité de Bouéné située dans le regroupement Mungi en territoire de Mirangogo près de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ce bilan a été donné à la presse lundi 12 avril 2021 par le gouverneur Karlin Zanduka Sivita après une descente sur le lieu et une tournée dans les hôpitaux où sont admis les blessés. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, ne zappez pas.